Salut à tous et à toutes, c'est Jeune dans le monde pour mon deuxième épisode sur la série des champions, l'AS Monaco. J'espère qu'il y aura beaucoup de buts cet épisode. Allez, on se retrouve sur le terrain de Wembley Stadium d'Arsenal. Allez, à tout de suite. Salut à tous et bienvenue. Pour la troisième journée de la Ligue des Champions, mes amis, on va faire la troisième journée à la 4ème minute, ce sera une vidéo 100% Monaco contre Arsenal. J'espère qu'on va gagner ici, j'espère qu'on va faire un très bon résultat. Allez, c'est parti. Pour ce monde, allez, Arsenal, Monaco. On va voir ce que nous réserve ce match. Je vais pas proposer notre toute défaite. On pourrait gagner un petit 1-0. Peut-être Alexis Sanchez aujourd'hui, c'est un joueur qui peut être impossible à marquer. Et en plus, il n'hésite pas à être le premier défenseur. Vous voyez. D'accord, merci pour ce petit pronostic. On va voir. On a fait 1-0 contre Benfica, on a perdu 0. Oui, mais là, on peut perdre. Voilà. Attention. Voilà, trop d'erreur, trop d'erreur. Mais joué ça. Il défend comme les gars, c'est bon. Eh, fais partir. C'est Dibé. Il fait partir. Mbappé. Comment tu veux? Comment tu veux jouer? Arsenal qui progresse. Bellerin. Allez, mais c'est Dibé le contre. Le contre pour Monaco. Allez. Bien, côté gauche, ben Silva qui voit Mbappé, allez Mbappé pour le centre. Oh, la reprise! Dommage, mes amis, on a fait une occasion. Dommage, on a fait marquer. Toujours 0-0. Ça m'a plutôt tranquille hein, contre Arsenal. Je pensais que ça m'a beaucoup plus dur, mais non, en fait. Mais attention à Arsenal parce qu'Arsenal c'est. On peut jouer tranquille en première période, mais pas en deuxième minute, hein, comme je dis. Le Cozil. Il le ferme. Dibé. Dibé qui part. Il a vu Mbappé. Non, putain, le contrôle. Putain. Allez, touche pour Monaco. Voilà l'une d'eux. Putain, je voulais centrer là, putain. Ah, j'ai centré. C'est vrai qu'on va 0-0 dans deux matchs. Mbappé, ils ont déjà fait jouer, je vois, c'est. Ah, putain, pas possible. Ah putain, toujours récupération de. Allez, 0-0 à la pause, mes amis. Allez. Seconde période pour Arsenal Monaco 0-0. On a vu un cas sur tir, il me semble, c'est celui de Falcao. Ah putain, toujours un pied lui. Un bec. C'est qu'elle passe. Il cherchait la profondeur, mais en face défensivement, oh, pas putain, c'est pas possible. Attention Zil, attention Zil. Allez, faut prendre le ballon, faut prendre le ballon les gars. C'est joué long, c'est dangereux. Il joue en profondeur. Oh, ok, ballon. Putain! La bonne sortie du gardien! Oh putain! Concentre-toi, non, un peu! Je sais pas, moi, concentre, non? Et lui, il fait en arrière. Une très longue passe. Arsenal semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Oh! On a fait marquer, mes amis! Quelle occasion on se ralentit!
Oh, un Peugeot monégasque. Regardez ça. Falcao est tout seul. Falcao qui voit Mbappé. Putain, moi j'ai dû contrôler, frapper, je suis dégoûté. Le 1-0 là, 30 minutes de la fin. Oh, c'est malheur pour nous, on n'a pas de bol. 3 tirs et 2 tirs pour Arsenal, vous avez vu un peu serré les tirs. Ah, c'est bien, ils avaient plus de tirs que nous, c'est bien. Allez. Ah putain Mbappé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais bébé? Giroud. Oh, Giroud. Real qui est récompensé de son pressing. Ramsey. Voici Giroud. Il est lancé vers le poteau. Roger Berlin. Chamberlain, attention, Chamberlain, le centre, il n'y a personne. Excellent repli défensif. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on a besoin. C'est un coéquipier modèle. Granit Xhaka. Ah putain, toujours un pied qu'il y a, Arsenal. Alexis Sanchez, pour trouver la faille dans la défense. Là c'est un groupe. Ah oh le bug. What? Xhaka? Oh le beau match qu'on avait fait en plus. Oh putain. Je suis dégoûté. On va de ça. Il est quoi le problème? Quel boulet je suis, oh, quel qui. Putain, je suis dégoûté. Et à la 83ème en plus. Le centre. Allez, corner. Pour les Monaco, le dernier, la dernière possibilité, mes amis. Allez, Moutinho. Au début c'est but mes amis. Quel but Falcao. Ah pardon. Oh. Bravo chapeau. Quel but mes amis, quel but. Quel but. Un partout. Regardez ça. Regardez, c'est le couloir hein. On voit Moutinho. Il va essayer, il va se battre. Le salaire acrobatique magnifique qui fait la parade mais ça rentre. Un partout mes amis, contre Arsenal, allez un partout, il reste 50 minutes. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leur adversaire dans les dernières minutes. Oh, il espérait ce ballon. Voici Giroud, il tente la jouer dans l'espace, il vient monter. Il compte la coupe. Ouvrant. On ne l'a pas fait un but là parce que là... Ah ça c'est là. Oh non! Ah je le savais. 2-1. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Défaite de l'AS Monaco, mes amis, on a perdu. On pensait à un match nul. Nous aurons peut-être manqué d'un tout petit brin de chance dans les moments clés de cette rencontre. Ce qu'on retiendra malheureusement, c'est la défaite. Alors, c'est le dernier menu. Allez, à tout de suite. Dans le groupe, nous sommes 3e avec 3 points. Nous sommes à 3 points du Benfica à Lisbonne. Allez, il faudrait gagner ce match. On va accueillir maintenant l'Arsenal.
J'espère qu'on va gagner, mes amis. Hein. Allez, on se retrouve sur le terrain. Salut, lui deux. A tout de suite. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde. On va finir de allez, la quatrième journée de la Champions League qui oppose. Allez, Monaco face Arsenal. Allez, c'est parti. Match pour la dernière chance pour les Monaco. Quatrième journée. Ouais. Il faudrait qu'on gagne. Hein. Parce que je pense que le match aller, le match de la troisième journée, on aurait pu faire un petit nul. Hein. Ça ne passe pas. Ouais. Ouverture vers le poteau de corner. La passe interceptée. Il décide d'allonger le jeu. Il se dans l'espace. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Une occasion. Déjà, tu viens avec nous. Ah, le chaos. Il peut tirer. Vous n'avez pas très vite pour son ça va y aller. Oui, il est dans les trop de temps à la défense pour se regrouper. Et à la fin, il a dû se presque vider. Quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'il manque beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va le réussir tôt ou tard. Excusez-moi, c'est bien pour moi. Donc on a arrêté une occasion pour les Monaco. Coquelin. Avec Coquelin. Oh, Evêque. Coquelin. Il écarte le jeu. Aïe, 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 aïe. Quelle occasion pour Arsenal. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur. Oh, le but. Voilà, un but. Vous l'avez dit, mes amis, là, on est dans un groupe, mais... Putain. Hein? Il y a un problème, il y a vraiment un problème. Il faudrait qu'on marque un... le but là. Oh putain. Oh putain, Binacci. Oh putain. Mais ouais, allez. Vas-y, boulet que tu es. 2-0. 2-0. Bah, c'est mort, mes amis, c'est mort. Et il n'a pas tremblé. Ah, le gardien n'a pas eu la moindre chance de ce pénalty. Il est parfaitement tiré. Ah, c'est mort, mes amis. Hein. C'est le deuxième but dans cette compétition. Allez, peut-être. Putain, mais ils sont pas réveillés. Falco, il est par terre. Il y a un verre de terre qui est par terre, tu sais. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Moi, je pense que Monaco, il va pas là. De toute façon, je vais commenter un match. Hein. Il n'a pas fait des passes. Je me demande. Eh bien. 2-0 à la pause. Et la petite femme qui va bien. Il est passé. Il y a des minutes. Ce ballon dans l'axe. Allez jusqu'au bout. Allez. Là, de la possibilité pour Arsenal. Allez, s'il marque un troisième, là, c'est mort. Hein. Allez, c'est mi-temps. On perd 2-0, mes amis. Allez, début pour la seconde période. Comme vous avez vu, il y a Sanchez, du tout. Il y a des grands joueurs classiques. Il n'y a que Falcao et Mbappé.
Allez, c'est parti pour la seconde période. On est mis des 0, mais je pense qu'on peut le faire. Bon, le plus important, c'est surtout d'éviter de prendre un autre but. Après, ils sont capables de revenir au score. On est Monaco quand même. Rusty. Mais Ludoville qui a déjà marqué aujourd'hui. Il file au but. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il essaye un long ballon. Le bon dribble. On avait, c'est un peu faire le dribble. Eh vie, ah, il y a pas faute là. Ballon, oh, le du jeu. Ah, c'est bon, les belles. Il aurait sifflé le mec, j'aurais dit quoi? Putain, mais c'est pas possible! Putain, c'est bon. On est perdu 2-1, on perd 2-0. C'est une occasion! Ouais! Il tente de la jouer dans l'espace! C'est joué long, attention! Donc, vas-y! On va finir troisième ou dernier du côté droit. Allez. Putain, c'est pas possible. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à marquer contre Arsenal. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Arsenal. Il prolonge vers l'avant. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Ah, c'est un mauvais centre, ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche! C'est joué dans la surface. Bien qui se bat. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a marqué moins un but. C'est un corner. Quand est-ce qu'on a collé, les gars? Allez! Il faut marquer ce premier but. Hein. On peut espérer les deux dernières rencontres. Terry, deuxième. Allez. Défaite, mes amis. 2-0 face à Arsenal. Que c'est dur, que c'est dur. Après tous ces efforts, ils sont déçus, bien sûr. Ils ont peut-être aujourd'hui manqué un tout petit peu de chance. On ne peut pas encaisser un but si tôt dans le match et essayer leur force. C'est dommage parce que le match TV était bon. Benfica fait 0-0. Donc, ça veut dire. Ah, c'est top. Donc, on est obligé de gagner. On gagne, ça fait 4, 5, 6. Si Benfica perd contre Arsenal, là c'est bon. Là pour l'instant, on est à 3 points. Hein. On a pas fait 3 défaites consécutives, c'est vraiment incroyable. Et la 5ème journée qui oppose vers West Dad face à l'AS Monaco, ce sera le prochain match comme le Benfica. Et c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, tout comme moi ça m'a beaucoup plu. Allez, je vous dis à très bientôt pour le 3ème épisode de l'UEFA Champions League Monaco saison 1 épisode 3. Allez, bye bye, au revoir.